je vais bien. Et toi, tu vas bien, Ayaté? Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Tu m'as semblé très efficace. Où était-ce ta pierre que tu portes sur ton bras gauche? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas normal. Ne fais pas de doute qu'il s'agit d'Atla Milia, un don des dieux réservé à quelques élus. Difficile de croire que tu sois l'un d'eux, mais la question n'est pas là. Auras-tu la gentillesse de me la remettre? Je le serai. Je suis venu à cet endroit, plutôt à cette époque, pour cette pierre. Cette époque? En fait, j'ai plus besoin de cette pierre que toi. Tu dois le comprendre, tout ce qu'elle représente. Qu'on s'en fasse, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Tu te transformes en zombie? Vampire, il se transforme en vampire! Excuse-moi, j'ai tendance à trop parler. Eh bien, si tu n'es pas prêt à me donner cette pierre, je ne vais pas avoir le choix. Voyons de quoi tu es capable, puisque tu as été choisi pour porter la pierre. Il s'est étalé comme une grosse merde, mais c'est quand même moi qui l'emporte. Bah oui, pourquoi ça irait pas bien? Ah! Mais non, je ne peux pas me dégager, il y a un pauvre petit chat qui est édifié derrière moi. Je ne te laisserai pas faire du mal! Même si tu me fais un commandement dans la gueule. Tu me fais rire, tu ne résistes même pas à une attaque aussi minable. Tu n'es pas digne de la pierre. Oh, j'avais pas remarqué le chat. Y'a rien dans cette pièce, mais j'avais pas remarqué le chat. Ce n'est pas que tu ne pouvais pas l'éviter, c'est que tu ne l'as tout simplement pas fait. Très bien, ça ira pour aujourd'hui. Je commence à comprendre pourquoi les filles t'ont choisi. Ce sera amusant de voir comment tu t'en sors. Je vais te donner quelques infos. Tu ne pourras pas vaincre le génie, même avec cette pierre, pas encore. Si tu as vraiment l'intention de le battre, tu dois devenir plus fort. Oh, j'ai failli oublier.
c'est un cadeau pour toi. Demande à ce petit de te le rendre service. À bientôt. Il s'est transformé en boule. Comment est-ce possible? Ce jeu n'est pas logique du tout. Et dire qu'il m'avait promis son aide. C'est ça la scène? J'ai cru de ma gueule. Un chat a fait son apparition soudainement. Axel, donne-moi un nom, c'est le nom, d'accord? Je vais l'appeler Loki, comme mon chat. Loki, c'est un joli nom. Qui t'appelle Loki. Coucou Loki. En plus, il ressemble un peu à mon chat. Sauf que mon chat, il a les yeux bleus.
tiens, bois cette potion. Je suis transformé en humain. Youhou! Dis-moi, comment tu fais? Maître, es-tu magicien? Ce n'est pas grave. Ah, au fait, je voudrais t'aider dans ta quête. Alors je peux? Dis oui, s'il te plaît. Allez, dis oui. Tu me laisses pas vraiment le choix. Loki est une aïeuse. Ouais, mon chat Loki, il est... Ouais, mon chat Loki, il est des nôtres. Ouais! Ouais, ça va. Ta nouvelle amie? Je ne l'ai pas encore vue par ici. C'est la mère qui voit pas les grandes oreilles et tout. Axel. Ah, ça faisait longtemps, Axel. Non, c'était il y a un quart d'heure. Alors, tu as une alliée pour t'aider dans ta quête. Je vais te donner des conseils sur les alliés. Le seul endroit où tu peux faire appel à ton coéquipier est dans les dalles. À mesure que tu t'enfonces, la difficulté s'accroît et tu ne peux plus te débrouiller tout seul. Quand tu te trouves dans les situations où tu ne peux pas t'en sortir seul, il est préférable de faire appel à un allié. Il sera ravi de te rendre service. Cependant, tu es le seul à pouvoir briser le sceau d'Atla avec l'Atla Milia. Au revoir. Et comment t'en fais? Moi j'adore le jeu. J'aime bien. Ouais, les trucs comme ça, je devrais les récupérer à la fin. Pas gratuit. Il y a rien qui n'est gratuit dans ce jeu, dans le monde. Alors, blindé.